Merci Caroline. Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le désormais traditionnel webinaire d'actu sur le droit de la construction, animé par Cyril Croix, avocat associé chez LMT Avocats, que je remercie vivement pour son engagement aux côtés d'Opération Immobilière. Tout au long de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions. La procédure est expliquée juste sur la slide suivante. Cyril, si vous pouviez passer. Voilà, merci beaucoup. Donc, il suffit de cliquer sur la petite flèche orange, aller dans le bloc questions, saisir votre question, puis l'envoyer. Et elles seront traitées à la fin de la conférence par Cyril Croix. Voilà. Écoutez, il me reste à vous laisser la parole, Cyril, et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous consacré à l'actualité du droit de la construction. Dernier rendez-vous de l'année, me semble-t-il, pour faire un petit point sur l'actualité jurisprudentielle en la matière et une petite actualité réglementaire sur le sujet également. Donc, nous allons débuter par Ah, alors attendez, j'ai un petit. Voilà. Nous allons débuter par l'actualité jurisprudentielle. J'ai donc retenu pour cette session 8 décisions rendues par la Cour de cassation, lesquelles m'ont paru intéressantes à évoquer avec vous aujourd'hui. Vous constaterez, comme d'habitude, que la totalité de ces décisions ont été rendus par la troisième chambre de la chambre civile de la Cour de cassation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'exception de la dernière décision qui sera commentée et qui concerne le délai d'exécution des travaux. Nous allons débuter par une décision rendue par la Cour de cassation, donc le 21 septembre 2022, rendue sous le numéro 21-20-433. Une décision particulièrement attendue par l'ensemble des praticiens du domaine en droit de la construction, puisque c'est une décision qui concerne un sujet récurrent et sur lequel aucune décision n'était rendue de manière définitive par la Cour de cassation. La question posée à la haute juridiction était de savoir si les panneaux photovoltaïques posés en toiture étaient soumis à l'obligation d'assurance et donc relever des garanties décennales, ou savoir si ces panneaux relevaient du régime de l'article 1792-7 du Code civil qui exclut l'application des garanties légales. Pour rappel, l'article 1792-7, alors il y a eu un petit souci de frappe, c'est 1792-7 du Code civil, dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. En la matière, il s'agissait de panneaux photovoltaïques qui avaient été posés sur la totalité de la charpente d'un bâtiment et dont l'objectif était de permettre la revente de l'électricité produite. Donc, la question soumise était de savoir si les défauts affectant cette installation relevaient des garanties décennales ou s'agissait-il d'une activité professionnelle excluant donc l'application des garanties légales. La Cour d'appel de Pau, qui avait été saisie, une procédure d'appel avait écarté la mise en œuvre des responsabilités légales de la garantie décennale au motif que les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage. La Cour d'appel de Pau avait estimé effectivement que les désordres qui affectaient les modules de connexion des panneaux photovoltaïques qui étaient défaillants n'empêchaient
que la production d'électricité, mais n'affectait pas la destination du bâtiment en lui-même et avait donc jugé que ces désordres ne relevaient pas des garanties décennales en application de l'article 1792-7 du Code civil. La Cour de cassation a affirmé cette décision et donc applique aux désordres affectant ces éléments les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour les motifs suivants. La Cour de cassation a en effet estimé que les panneaux intégrés en toiture d'un immeuble ne sont pas considérés comme des équipements d'ouvrage. Et donc, de ce fait, l'article 1792-7 est exclu puisque celui-ci ne parle effectivement que des équipements de l'ouvrage. Donc la Cour de cassation dit ce ne sont pas des équipements de l'ouvrage puisque l'installation photovoltaïque intégrée en toiture de l'immeuble constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction le clos et le couvert en plus de la production d'électricité. Ainsi, l'ensemble des panneaux photovoltaïques ayant également, au-delà de la fonction de production d'électricité, ayant également pour fonction d'assurer le clos et le couvert, la Cour de cassation a estimé que, de ce fait, il était intégré à l'ouvrage dans son ensemble et était lui-même constitutif de l'ouvrage. Alors, dans ces conditions, la Cour de cassation estime que les désordres affectant les panneaux photovoltaïques rendre l'ouvrage impropre à sa destination. J'ai mis entre parenthèses éléments constitutifs parce qu'il va y avoir effectivement une discussion au regard de la rédaction de cette décision qui est la première rendue en la matière, puisqu'on entend généralement par les éléments constitutifs les éléments qui sont assemblés notamment sur place, à savoir par exemple le béton ou les aciers qui sont pas soumis, eux, à la garantie décennale. Donc, lorsque la Cour de cassation indique que l'installation constitue dans son ensemble un ouvrage de construction, la rédaction est peut-être un petit peu hasardeuse et manifestement, il y aura lieu à d'autres discussions en la matière. Donc, la conséquence de cette décision est que la Cour de cassation n'effectue aucune distinction entre l'ouvrage et l'installation photovoltaïque elle-même, lesquelles forment un tout relevant de la garantie décennale. J'ai indiqué qu'il y avait ainsi une globalisation de l'ouvrage. Alors, il y a lieu de s'interroger sur la portée de cette décision, puisqu'en l'espèce, comme vous indiquez, les panneaux photovoltaïques assuraient également le clos et le couvert qui avaient donc fonction de toit. Il n'y avait donc pas d'autre toiture que celle constituée par les panneaux photovoltaïques. La question serait peut-être différente si, comme dans certains cas, les panneaux sont directement posés sur une toiture existante sans que celle-ci ne soit enlevée. Donc, ça sera sûrement peut-être l'objet d'une décision à venir, mais la solution risque d'être peut-être différente puisque dans cette hypothèse-là, les panneaux ne constitueront pas un tout puisque la toiture, le clos et le couvert sera assuré par une toiture existante. Donc, une décision très importante, mais avec vraisemblablement d'autres décisions à venir, qui risque d'être un petit peu différente selon la nature des travaux. Alors, cette décision comporte un deuxième point qui m'a semblé effectivement également intéressant d'évoquer avec vous, à savoir si l'existence d'un seul risque est suffisant pour entraîner la garantie décennale, puisqu'on a vu donc précédemment que les désordres qui affectent ces panneaux relevaient des garanties décennales. Mais en l'espèce, le dommage n'était pas avéré, ne s'était pas réalisé, mais ne constituait qu'un risque. En réalité, les 180 panneaux qui avaient été posés sur la toiture contiennent en leur sein un boîtier de connexion. Et c'est un sinistre sériel qui a été assez répandu. Il s'est avéré que la connexion de ces boîtiers de connexion surchauffait et entraîner la dégradation et la destruction des boîtiers par un incendie. En revanche, si les boîtiers de connexion ont brûlé, les panneaux photovoltaïques, heureusement aujourd'hui, aucun d'eux n'a entièrement brûlé, aucun n'a entraîné la dégradation d'un bâtiment. Donc, on pourrait se poser la question de savoir si le seul fait qu'un risque existe suffit à entraîner la garantie décennale, puisqu'on sait que de manière habituelle,
La Cour de cassation ne retient l'existence de dommages de nature décennale que lorsque le dommage se manifeste de manière obligatoire et de manière certaine dans le délai décennal. En l'espèce, donc, ce n'était pas le cas puisque le risque d'incendie n'était qu'hypothétique, mais la Cour de cassation a jugé que constitue un dommage couvert par la garantie décennale non seulement l'incendie, mais également le risque d'incendie dans le délai décennal. Donc là, la notion de risque est constitutive d'un des ordres relevant des garanties décennales. On sait pertinemment que la Cour de cassation étend également cette qualification de dommage de nature décennale relevant des garanties décennales, tous les risques d'atteinte à la sécurité des personnes, même si cela ne relève pas expressément des textes. Donc c'est une extension de la garantie à l'existence d'un risque dès lors qu'il y a eu un risque d'atteinte pour la vie ou la sécurité des biens et des personnes. Voilà, j'en ai terminé avec cette première décision qui était vraiment une décision attendue, mais qui nous laisse un petit peu sur la fin compte tenu de sa rédaction, mais qui est très importante toutefois sur l'exclusion de l'article 1792-7 du Code civil. Le second arrêt que nous évoquerons aujourd'hui a été rendu par la Cour de cassation, toujours la troisième chambre civile, le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12-507. Alors, on s'écarte là cette fois des désordres de nature décennale, puisqu'on évoquera ensemble les contrats de construction de maisons individuelles, qui sont des contrats particulièrement détaillés et qui doivent contenir nécessairement des clauses qui sont d'ordre public. En l'espèce, dans cette décision, le maître d'ouvrage avait conclu avec un constructeur de maison individuelle la construction d'une maison, mais c'était réservé la réalisation à ses frais de divers travaux, notamment les peintures intérieures de la maison, mais également la réalisation des du portail et de la clôture. Dans cette décision, la Cour de cassation se réfère expressément aux dispositions de l'article L131-2 et R231-4 du Code de la construction et de l'habitation. Le premier article énumère les mentions obligatoires que doit comporter un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Les mentions obligatoires portent notamment sur le coût du bâtiment à construire, qui est généralement égal à la somme du prix convenu, et doit également comporter de manière obligatoire le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ce qui était le cas en l'espèce. L'article R231-4 prévoit quant à lui qu'est annexé au contrat de construction de maison individuelle une notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Donc, pour rappel, ces clauses sont d'ordre public. Ces dispositions, pardon, sont d'ordre public. Alors, c'est ce que je vous indiquais. Qu'en est-il lorsque l'acquéreur s'est réservé l'exécution de certains travaux et qu'ils n'ont pas été chiffrés ou qu'ils ont mal été chiffrés par le constructeur de maison individuelle? L'acquéreur faisait bien évidemment valoir que le constructeur n'ayant pas respecté les clauses, le coût de ces travaux devait être mis à la charge du constructeur de maison individuelle, ce qui n'était bien évidemment pas la position du constructeur, qui, quant à lui, faisait valoir que les travaux devaient être supportés par l'acquéreur, au motif qu'il s'en était réservé l'exécution et qu'en toute hypothèse, il n'était pas indispensable à l'implantation et à l'utilisation de la construction, puisqu'il s'agissait, comme je vous indiquais, des peintures intérieures, et que les seuls éléments présents dans la notice descriptive entrent dans le champ des travaux contractuels. Alors là, la Cour de cassation est toujours sévère à l'encontre des constructeurs de maisons individuelles. Pourquoi elle est toujours sévère? Parce que, comme vous indiquez, l'ensemble des dispositions relatives à ces contrats sont d'ordre public, ce qui confère quand même à ces dispositions une sévérité et une importance qui ne peuvent être ignorées. Donc la Cour de cassation est extrêmement sévère et a jugé que le maître de l'ouvrage doit être informé du coût total de la construction projetée pour lui éviter de s'engager dans une opération qui ne pourra mener à son terme. Donc, ce qui signifie que même si le maître de l'ouvrage se réserve
pour son compte l'exécution de travaux, il appartient au constructeur de maisons individuelles de fournir l'ensemble des devis ou descriptifs qui permettront au maître de l'ouvrage de chiffrer et de connaître la valeur exacte des travaux qu'il conserve, afin qu'il ne soit pas, effectivement, comme l'indique la Cour, en mesure de les financer. Donc, voilà une décision très importante en matière de construction, de contrat de construction de maisons individuelles, selon laquelle tout doit être chiffré, même ce que le constructeur ne va pas réaliser. Une troisième décision rendue par la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 26 octobre 2022, rendue sous le numéro 21-19-898, une décision connexe, 21-19-899, les faits sont exactement les mêmes. C'est un arrêt, ce sont des décisions très importantes également en matière de VEFA et d'avantages fiscaux attendus lorsque l'acheteur achète uniquement pour tirer profit, un profit fiscal de l'opération de construction. Qu'en est-il lorsque l'acquéreur ne reçoit pas l'avantage fiscal attendu? En l'espèce, les acquéreurs, parce que c'est donc de plusieurs acquéreurs au sein d'une même opération, se fondaient sur l'existence d'un DOL. Le DOL, je vous l'ai rappelé, est défini à l'article 137 du Code civil, à savoir que le DOL est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des menaces ou des mensonges. Constitue également un DOL la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Donc, cette définition du DOL, il convient de le rappeler, se situe dans le chapitre relatif au vice du consentement et permet donc, lorsque l'existence du DOL est reconnue, d'obtenir la nullité du contrat en application de l'article 131 du Code civil, selon lequel les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Donc, peut-il y avoir DOL lorsque l'avantage fiscal ne se réalise pas? Pour qu'il y ait DOL, il faut que soit démontrée l'existence de manœuvres du vendeur ayant abouti à tromper l'acquéreur. Alors, en l'espèce, j'ai détaillé les faits parce que c'est intéressant, les acquéreurs ou l'acquéreur avaient acquis un bien en vue de sa location pour en tirer un avantage fiscal. Cet objectif était d'ailleurs particulièrement connu du vendeur. Ça, c'était absolument pas discuté dans les débats, c'était connu du vendeur. La plaquette même du vendeur faisait état d'une opération permettant d'en tirer un avantage fiscal. Donc, le sujet n'était même pas contesté sur l'objectif même de l'opération. L'acquéreur avait acheté son bien, les travaux étaient réalisés, le bien avait été loué pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel de 3 416 €. Celui-ci, ce loyer avait été résilié au bout de 8 ans par le preneur, ce qui n'avait pas empêché le nouveau propriétaire de relouer son bien, mais pour un montant de seulement 1 800 €. L'acquéreur, se plaignant d'une baisse de rentabilité et d'une surévaluation de la valeur de son bien, avait donc assigné le vendeur en nullité pour dol de la vente et du prêt. La cour d'appel avait écarté le moyen soulevé par l'acquéreur. La cour d'appel avait estimé qu'il ne pouvait pas y avoir dol malgré l'absence d'avantage fiscal tel qu'attendu, au motif que l'opération avait, même si elle n'était pas parfaite, avait cependant accru le patrimoine de l'acquéreur, lequel s'était enrichi, et c'est le terme de la cour d'appel, le patrimoine de l'acquéreur, lequel s'était enrichi de la propriété de l'appartement et du montant des loyers perçus. La cour d'appel avait également retenu que le passif que son patrimoine avait également été diminué du fait de certains avantages fiscaux. C'était pas, il y avait eu quand même des avantages fiscaux, mais qui n'étaient pas ceux promis. Et enfin, la cour d'appel avait estimé que l'acquéreur ne produisait pas les justificatifs permettant de déterminer le montant effectif des avantages espérés. Donc, en l'espèce, la cour d'appel avait refusé de prononcer la nullité des contrats de vente. La Cour de cassation a infirmé la décision au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si, lors de la conclusion du contrat,
l'acquéreur n'avait pas induit en erreur sur la rentabilité, n'avait pas été induit en erreur sur la rentabilité et la valeur du bien par des manœuvres dolosives. En l'espèce, il faut savoir que finalement, en cours de bail, le vendeur qui s'était réservé l'usage de certains lots les avait cédés, ce qui avait entraîné une perte de valeur des autres fonds qui avait justifié la baisse des loyers, enfin la résiliation du bail et la baisse du loyer. Donc, il y avait et ça, c'était quelque chose qui était connu au moment de la signature du contrat par le vendeur. Donc, la Cour de cassation reproche au juge du fonds de ne pas avoir procédé à cette analyse et contrairement à la Cour d'appel, qui, elle, s'était placée 9 ans après la conclusion du contrat pour estimer qu'il n'y avait pas dol, puisqu'elle avait jugé que l'acquéreur s'était enrichi, malgré cela, il y avait quand même eu des avantages fiscaux. Elle, la Cour de cassation, rappelle que s'agissant d'un vice du consentement, l'appréciation du dol doit être faite non pas 9 ans après la signature du contrat et sur les effets du contrat, mais il y a lieu de se placer au moment de la conclusion du contrat. Donc, en l'espèce, la Cour de cassation ne nous dit pas s'il y a dol ou il n'y a pas dol, puisqu'elle renvoie finalement devant la Cour d'appel ce dossier-là, mais invite les juges d'appel à analyser le comportement du vendeur au moment de la conclusion du contrat et sa connaissance qu'il avait de ses projets, et non pas de se prononcer pour apprécier l'existence d'un dol, non pas 9 ans après au regard de la situation fiscale de l'acquéreur. Donc, vraiment une décision importante, le vice du consentement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Et c'est ce que doit rechercher la Cour d'appel, ce qui n'avait pas été le cas. Donc, c'est une décision qui renvoie, comme je vous le disais, devant la Cour d'appel de Bordeaux, me semble-t-il, avec un arrêt qui sera rendu et il y aura lieu également de prendre connaissance pour connaître la décision, espérons-le, définitive, à moins qu'il y ait un nouveau pourvoi par la suite devant la Cour de cassation. Cet arrêt également a un deuxième intérêt qui est sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité. Puisque, outre l'existence d'un dol, l'acquéreur ou les acquéreurs avaient fait valoir que le vendeur et son mandataire n'avaient pas rempli leur obligation de conseil vis-à-vis des acquéreurs. Donc là, on n'est plus sur l'existence d'un dol, mais c'était un autre moyen qui a été soulevé, c'était le manquement à l'obligation de conseil. L'acquéreur, donc, reprochait à ces deux parties le fait de lui avoir fait perdre la chance de ne pas contracter le contrat. Donc l'acquéreur estimait que s'il avait été renseigné de manière très précise et suffisante par ces deux parties, il n'aurait pas conclu ce contrat de gestion. Et donc, c'est ce que reprochait l'acquéreur. La perte d'une chance de ne pas avoir pu choisir de contracter ou pas. La Cour de cassation rappelle que le délai d'action en responsabilité, quelle que soit la nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance. Et alors là, la Cour de cassation envoie un deuxième taquet à la Cour d'appel, puisqu'elle la contredit une seconde fois sur l'appréciation, la date à laquelle doit être appréciée l'existence du dommage. En effet, la Cour d'appel avait, inversement à la première partie, avait retenu que la perte de chance se manifestait dès la signature du contrat. La Cour de cassation a infirmé ce point-là au motif que s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat. C'est-à-dire que pour la Cour de cassation, le moment où le dommage est constitué, même s'il n'est pas précisé, on peut penser que c'est au bout peut-être d'une deuxième ou troisième année de propriété et d'année fiscale, à l'issue desquelles l'acquéreur s'est rendu compte que son avantage fiscal qui lui était annoncé ne s'était pas réalisé, constitue le point de départ de la prescription et non pas la signature du contrat. C'est important puisque, comme je vous l'ai indiqué au début de cet arrêt, c'est en toute fin de bail, 9 ans après l'acquisition, que
le locataire était parti, faisant perdre des revenus locatifs et des avantages fiscaux. Donc, on était vraiment très près de la prescription soulevée par, rappelée par la Cour de cassation. Mais le point de départ de cette prescription est rappelé par la Cour de cassation comme étant la date à laquelle la victime s'est aperçue de ce qu'elle ne pouvait pas tirer profit, un profit fiscal de cette opération. Voilà, donc une décision très importante en matière de VEFA, en matière de dol et en matière de vice du consentement rendue par la Cour de cassation. Un deuxième arrêt concernant la VEFA, rendu le 12 octobre 2022 sous le numéro 21-20-804. Donc cet arrêt est également important et très intéressant dans sa rédaction, puisque en l'espèce, les acquéreurs faisaient solliciter auprès de leur vendeur l'allocation de dommages et intérêts en raison des retards dans la livraison de leurs biens. J'ai rappelé le principe selon lequel le maître de l'ouvrage peut prétendre à une indemnisation en cas de retard imputable à la faute du vendeur. En revanche, le vendeur en VEFA ne peut être tenu responsable de tous les événements extérieurs qui auraient pour effet de retarder la livraison du logement en VEFA. À ce titre, le vendeur ne peut être tenu des retards liés à un cas de force majeure, donc fait d'un tiers. Donc, une opération voisine qui vient empêcher la réalisation du chantier en cours ou tout autre sinistre ayant les caractéristiques d'une force majeure. En l'état, le vendeur se prévalait de l'existence d'une force majeure. Donc, j'ai rappelé qu'en matière de VEFA, sont constitutifs de force majeure les événements qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêchent donc pour le vendeur, l'exécution de son obligation de livraison dans les délais impartis. Donc, des événements qui ne pouvaient être prévus et pour lesquels on ne peut plus intervenir. En l'espèce, le vendeur s'est prévalu de causes légitimes de retard et de la force majeure résultant de l'intervention de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, tendant à la sauvegarde d'un bâtiment entier présent sur le terrain assiette de la nouvelle construction qui était décoré par un mosaïste dont seule la façade devait être conservée. La Cour d'appel a jugé que le caractère protégé du bâtiment était nécessairement connu du promoteur avant même le dépôt du permis de construire et l'ouverture du chantier, empêchant ainsi le promoteur de se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure. En effet, la Cour d'appel a jugé que le vendeur aurait dû anticiper en matière de délai l'incidence sur son projet de la présence sur le site d'un bâtiment qu'il savait protéger. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant que le déclenchement d'une procédure de classement au monument historique constituait, en raison de la singularité et de la spécificité de ce bâtiment, une éventualité qui devait être prévue et anticipée et qu'il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, d'envisager dès l'origine toutes les conséquences possibles de la démolition projetée en consultant la DRAC. Donc là, vraiment une obligation de renseignement est mise à la charge du promoteur, lequel ne peut faire valoir l'existence d'un cas de force majeure lorsqu'il sait que une collectivité publique ou un opérateur public s'intéresse à un caractère notoirement connu d'un bâtiment. Donc, ne constitue pas un cas de force majeure la présence sur le terrain d'assiette de la construction envisagée d'un bâtiment à la sauvegarde duquel la puissance publique s'était notoirement intéressée, et il appartient au vendeur d'anticiper les conséquences du caractère particulier de la construction existante. Ainsi, donc, les acquéreurs ont eu droit à l'allocation de dommages et intérêts en raison des retards qui ont été entraînés par l'existence de cette façade et que le promoteur n'avait pas anticipé dans son planning de construction. Pour la petite histoire, je vous ai mis une photo de la façade du garage moderne rue Bonnefontaine à Challans qui a été faite par un mosaïste qui s'appelle Isidore Odorico et qui avait fait de nombreuses façades en mosaïque dans l'ouest de la France. Voilà, c'était pour le petit quart d'heure, la petite minute d'histoire. Sur les délais de livraison, cette décision aborde également un deuxième thème, à savoir quel délai de livraison doit être retenu pour calculer les préjudices.
Le délai de livraison à prendre en compte est-il le délai annoncé dans le contrat de réservation ou dans le contrat définitif? Puisqu'effectivement, en matière de VFA, le contrat de réservation, qui n'est pas soumis à un formalisme, doit nécessairement précéder la vente définitive et doit contenir un descriptif de l'opération, une méthodologie, la nature des travaux, une présentation des biens qui sont vendus et un délai d'exécution. Et bien évidemment, ce contrat de réservation est par la suite confirmé par un acte devant notaire, sous-statut devant notaire. Et qu'en est-il lorsque le délai contenu dans cet acte notarié diffère de celui du contrat de réservation? La Cour d'appel avait jugé que le retard devait être calculé à compter du délai prévisionnel de livraison mentionné dans le contrat de réservation. Or, la Cour de cassation, sans surprise, au visa de l'article L216-11 du Code de la construction et de l'habitation, infirme la décision de la Cour d'appel et juge que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement conclu par acte authentique, oui, j'ai dit par acte sous-saint privé, mais c'est par acte authentique, doit préciser le délai de livraison et qu'à ce titre, le délai de livraison qui engage le vendeur et c'est lui qui est fixé par l'acte authentique de vente. C'est cet seul acte notarié qui fait foi en matière de délai. Voilà, donc deux parties également intéressantes dans le cadre de cette décision. Une décision rendue toujours par la troisième chambre le 26 octobre 2022 sous le numéro 21-869 qui concerne les décomptes de fin de chantier. Un sujet épineux, toujours sur les modalités, sur les réclamations financières à l'issue d'une opération de construction, lorsque chacun entend réclamer les paiements de travaux supplémentaires ou l'application de pénalités de retard à l'entreprise. Généralement, tout est défini dans le CCRD. C'est pourquoi j'ai indiqué que là, il n'y avait pas de principe général, mais que, il fallait se référer aux pièces du marché. En l'espèce, le CCAP de cette opération obligeait l'entreprise à présenter par écrit, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte définitif, ses observations éventuelles au maître d'œuvre et d'en aviser simultanément le maître d'ouvrage, faute de quoi il était réputé avoir accepté le décompte définitif. Donc cette formule semble assez claire, c'est-à-dire qu'elle laissait un délai à l'entreprise pour répliquer au projet de décompte général définitif produit par le maître d'ouvrage, pour éventuellement contester, formuler ses observations sur la conclusion du maître d'ouvrage et de la retourner. À défaut, il était supposé l'accepter. La question soumise à la Cour de cassation est de savoir que sont des observations, puisqu'effectivement, je reviens en arrière, le CCAP prévoyait des observations éventuelles. Donc, qu'entend-on par des observations? La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel selon laquelle une contestation de principe dépourvue d'arguments et de chiffrage ne constitue pas des observations et dans ces conditions, l'entreprise était réputée avoir accepté le décompte général définitif. En l'espèce, l'entreprise avait indiqué dans sa réponse qu'elle contestait l'ensemble des observations formulées par le maître d'ouvrage. La Cour de cassation, l'intertum, a évacué cette possibilité en disant que cette contestation n'était pas sérieuse. Enfin, n'était pas sérieuse. Il fallait répondre de manière plus étayée à ce mémoire, à ce projet de mémoire qui avait été notifié par le maître d'ouvrage et que indiquer uniquement le fait qu'on contestait le décompte n'était pas suffisant. J'ai indiqué qu'il s'agit là d'une décision à rapprocher de celle des juridictions administratives. Effectivement, en matière de marché public, et c'est pour ça que j'avais fait une référence aux documents contractuels précédemment, en matière de travaux publics, le CCAG s'applique et celui-ci est particulièrement détaillé en la matière. Et sauf exception prévue au terme des marchés publics, il y est fait référence en totalité. En effet, donc le mémoire réclamation requis au sens de l'article 50.1.1 du CCA des travaux pour contester le décompte final doit présenter les caractéristiques suivantes. Il doit comporter l'énoncé des indifférents, c'est-à-dire que la réponse doit rappeler les faits et présenter le litige entre les parties.
La réponse doit préciser et détailler les chefs de contestation avec l'indication des montants des sommes dont le paiement est demandé et les raisons des demandes. Les juridictions administratives rappellent qu'un mémoire en réclamation formé sur le décompte général ne peut se borner à l'envoi d'un courrier ne présentant pas les conditions de forme précitées ou qui n'expose qu'en des termes vagues le désaccord. Et là, on a une décision du Conseil d'État du 29 janvier 1993 qui est reprise quasiment mot pour mot par la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation reprend le terme vague et les conditions de forme. Donc, ne sont pas également suffisantes les mémoires qui n'indiquent pas de manière suffisamment précise et détaillée les chefs de réclamation à l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2000. Mais je vous ai indiqué deux décisions. Elles sont de jurisprudence constante en la matière, en matière de travaux publics. Et en l'espèce, la Cour de cassation s'est inspirée, semble-t-il, de la célérité et du sérieux sollicité par les juridictions administratives dans le cadre de réponses. Une nouvelle décision rendue toujours par la troisième chambre le 26 octobre 2022. Nombreuses décisions commentées aujourd'hui sont datées du 26 octobre 2022. Donc sous le numéro 21-22-427. Un cas classique en l'espèce puisqu'il s'agissait de travaux de reprise qui ont été réalisés par une entreprise à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle. La maison ayant été affectée de nombreuses fissurations, un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris et l'assureur CatNat avait accepté de financer les travaux de reprise. On avait évoqué lors d'un précédent webinaire une jurisprudence rendue le 16 septembre 2021 par la Cour de cassation sous le numéro 20-19-220, qui indiquait que l'assureur qui avait financé les travaux, et c'est exactement le même cas, hein, l'assureur qui avait financé les travaux de reprise doit répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'œuvre et mal exécutés par l'entreprise à condition que soit démontré qu'il n'ait pas pris les dispositions nécessaires, autrement dit, qu'il avait commis une faute. Donc, la responsabilité de l'assureur est engagée lorsque les travaux ne sont pas satisfaisants. Mais la question qui a été soumise à la Cour de cassation en l'espèce, qu'en est-il de la responsabilité de l'entreprise qui, à la demande de l'assureur CatNat, a accepté de minimiser l'ampleur des travaux de reprise? L'entreprise faisait valoir pour sa défense qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de l'assureur pour les raisons que j'ai reprises ci-après. En effet, l'entreprise faisait valoir que l'assureur était assisté d'un expert désigné afin de donner un avis sur les travaux de reprise, que l'expert avait drastiquement, l'expert de l'assurance, hein, que l'expert avait drastiquement modifié et réduit le devis soumis par l'entreprise. En effet, l'expert de l'assurance avait estimé que 24 pieux micropieux suffiraient, alors que l'entreprise en proposait 99. Et enfin, l'entreprise faisait valoir que de toute façon, il ne pouvait pas réaliser des travaux allant au-delà de ce qui lui était commandé, l'indemnité accordée par l'assureur correspondant au montant du devis réduit à la suite des observations de l'expert d'assurance. La Cour de cassation n'a pas fait droit aux argumentations de l'entreprise et a jugé, de manière assez attendue, que l'entreprise, en acceptant une exécution partielle des travaux par pose de 24 micropieux au lieu de 99 qu'elle avait proposé et qu'elle savait nécessaire du fait de la sensibilité avérée des fondations aux variations hydriques du sol, avait contribué au dommage objet des indemnisations complémentaires allouées au maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que la Cour de cassation rappelle avec cette phrase que si l'entreprise estime que les travaux ne sont pas acceptables, elle doit refuser de les faire et qu'elle ne peut se retrancher derrière le fait que, en l'espèce, l'assureur était accompagné d'un technicien et que le devis qu'elle avait présenté initialement était le bon. Donc vraiment une implication, une injonction faite aux entreprises de refuser d'exécuter les travaux lorsqu'elles savent que ceux-ci sont insuffisants. Donc là, il y a un partage de responsabilité qui est retenu par la Cour de cassation entre l'assureur et l'entreprise qui a accepté de faire des travaux insuffisants.
Une décision rendue cette fois-ci en matière d'assurance dommages ouvrages et relative aux sanctions qui s'y appliquent, rendue par la Cour de cassation non pas le 26 octobre, mais le 21 septembre 2022, sous le numéro 21-18-960. Je vais rappeler les dispositions essentielles de l'article L242-1 alinéa 3 et 5 du Code des assurances en matière d'assurance dommages ouvrages, selon lesquelles l'assurance dommages ouvrages a 60 jours suivant la réception de la déclaration pour se positionner sur le principe même de sa garantie, oui ou non. Oui, on garantit, non, on ne garantit pas. Donc, dans le délai de 60 jours qui suivent la réception de la déclaration de sinistre. Et lorsque l'assureur a pris une position de garantie, il doit toujours, cette fois dans le délai de 90 jours qui suivent la réception de la déclaration. Alors, 90 jours, c'est la règle. Il y a un délai qui peut être prolongé à la demande expresse de l'assurance lorsqu'il y a une difficulté particulière et qui peut être allongé, mais qui ne peut absolument pas dépasser 135 jours pour faire part de sa position sur le montant. Donc, une première sanction, 60 jours pour se prononcer sur l'application des garanties et un autre délai de 90 ou 135 jours pour se prononcer sur le montant de la garantie. Si l'assureur dommage ouvrage ne respecte pas le premier délai, voire le premier et le deuxième délai, sont prévues des sanctions d'ordre public, à savoir la perte pour l'assureur de la possibilité de contester sa garantie, c'est-à-dire que ces garanties sont dues quelle que soit la nature des désordres. L'assuré peut engager les dépenses nécessaires et l'indemnité qui sera versée par l'assureur sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal. Vraiment, on a des sanctions d'ordre public qui sont très très précises, hein, comme en matière de contrat de construction de maison individuelle, des clauses qui sont d'application irrévocable et incontestable. En l'espèce, donc d'ordre public, elles sont par conséquent limitatives et le bénéficiaire de l'assurance dommage ouvrage ne peut solliciter d'autres sanctions. En l'espèce, c'est un cas assez classique, à savoir que l'assureur avait effectivement pris une position de garantie dans les délais de 90 jours, mais ne s'était absolument pas prononcé, compte tenu d'une impossibilité technique de produire un devis, sur le montant des travaux de réparation. Et de ce fait, le maître d'ouvrage n'a eu d'autre choix que d'engager une procédure d'expertise judiciaire, dont on sait très bien quels sont les délais, puis par la suite, une assignation aux fins d'obtenir la condamnation de l'assurance VO et des constructeurs. Donc, au-delà des délais de 135 jours qui auraient permis l'indemnisation rapide, le maître d'ouvrage a dû engager une procédure et attendre des années avant d'obtenir son indemnisation. Donc, outre l'application des sanctions, le maître d'ouvrage ou bénéficiaire des garanties VO a tenté de faire condamner l'assurance dommage ouvrage sur le fondement également de sa responsabilité contractuelle, au motif que le fait de ne pas avoir respecté ses délais de 135 jours avait aggravé son préjudice et que, outre les sanctions prévues au Code des assurances, la responsabilité contractuelle était susceptible d'être engagée et, dans ces conditions, solliciter l'allocation de dommages-intérêts, alors au-delà du plafond garanti. Des garanties facultatives souscrites auprès de l'assurance dommage ouvrage. C'était un plafond qui était de 134 000 euros et le maître d'ouvrage estimait son préjudice bien au-delà de cette somme-là. Donc, solliciter les 135 000 euros sur le fondement des garanties facultatives et des sanctions applicables au non-respect des délais et les préjudices au-delà de cette somme sur le manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles. La Cour de cassation a écarté cette demande au motif que, comme elle le fait de manière invariable, l'assureur dommage ouvrage ne peut être condamné à prendre en charge les dommages immatériels que dans la limite du plafond de la garantie facultative souscrite à cette fin. C'est-à-dire que même si, du fait du non-respect des clauses, le préjudice s'allonge, la seule sanction possible est celle prévue aux clauses d'ordre public, sans autre sanction, sans autre mise en œuvre possible de responsabilité. Enfin, une dernière décision rendue non pas le 26 septembre, mais le 9 novembre, et non pas par la troisième chambre, mais par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui concerne les délais d'exécution de travaux.
Alors, une décision qui peut paraître simple à première vue, mais qui est intéressante pour la suite, puisque de manière générale, la durée des travaux est expressément prévue dans les documents contractuels, au même titre que les sanctions qui s'y rattachent. Travaux pour durée, prévus pour durer 3 mois et au-delà, chaque semaine ou chaque mois, chaque jour de retard fera l'objet d'une indemnité. Tout cela, c'est quelque chose d'assez classique dans les contrats, mais ce qu'on ignore souvent, ce qu'on voit peu, mais ce qui arrive manifestement, c'est qu'en est-il lorsque le marché ne prévoit aucun délai d'exécution des travaux. La Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 147, donc qui était applicable à l'époque du contentieux, de la passation du contrat, donc avant 2016, donc l'article 147, en application de cet article, en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable, dont le point de départ est la date du devis. Donc, difficulté toujours du délai raisonnable. La Cour rappelle également que selon l'article 147 du même code, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation. La mise en demeure peut résulter d'une lettre ou d'une interpellation suffisante. En l'espèce, le maître d'ouvrage s'était contenté d'adresser un email à l'entreprise faisant état de ses doléances auprès du titulaire. La Cour de cassation a estimé que ce courriel n'était pas assimilable à une mise en demeure et le maître d'ouvrage n'était pas fondé à solliciter l'application de dommages et intérêts à son profit du fait de cette absence. Je vous ai rappelé pour mémoire les articles 1147 et 1146, donc 1147 qui est devenu l'article 1231-1 du Code civil, l'article 1146 qui est devenu l'article 1344 du même code. J'en ai terminé avec cette petite revue des décisions importantes. Pour aborder l'actualité réglementaire, j'ai évoqué 2 points, puisque le premier point concerne donc l'abrogation de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Le second point porte sur le projet de réforme des contrats spéciaux. Alors, l'article 750-1 du Code civil, je l'avais évoqué de mémoire rapidement lors d'un précédent webinaire. Cet article prévoyait, nouvel article, hein, prévoyait sous peine d'irrecevabilité de la demande que le juge pouvait prononcer d'office la demande en justice, par le fait que la demande en justice devait être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsque la procédure tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou à un trouble anormal de voisinage. Dans ces deux cas, donc, litige inférieur à 5 000 euros ou existence d'un trouble anormal de voisinage, l'article 750-1 du Code de procédure civile obligé de passer préalablement par une tentative de conciliation entre les parties, à défaut, si le demandeur saisissait directement la juridiction sans être passé par cette tentative de conciliation, la demande était irrecevable. Or, on a une décision en date du 22 septembre 2022 rendue par le Conseil d'État, qui annule le décret donc, qui datait du 11 décembre 2019, hein, donc, qui avait introduit cet article L750-1 du Code de procédure civile. Donc cet article n'aura pas vécu bien longtemps, mais semble-t-il, ce n'est que partie remise, puisque les motifs de cette annulation par le Conseil d'État sont assez clairs. En effet, le Conseil d'État a estimé que les critères qui permettaient de se dispenser de cette obligation de tentative de résolution amiable n'étaient pas suffisamment précis. En effet, les causes possibles de dispense prévues dans le décret d'application, qui permettait de saisir directement la juridiction sans passer par la conciliation, prévoyaient l'existence d'un motif légitime ou une urgence manifeste rendant impossible la tentative de conciliation. Ça, c'était le décret d'application de l'article L750-1. Donc, on n'est pas obligé de concilier, de tenter de concilier, s'il y a un motif légitime ou s'il y a une urgence manifeste. Selon le Conseil d'État, c'est selon des critères vagues, qui constitue une atteinte au droit d'exercer un recours effectif garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, le Conseil d'État
a annulé cette disposition au motif que le décret d'application n'était pas suffisamment précis sur les notions de motif légitime ou d'urgence manifeste. D'ailleurs, cet article et la loi avaient été soumises au Conseil constitutionnel qui avait validé le principe d'une tentative de conciliation préalable, mais avait quand même mis une réserve en disant attention, dans votre projet de décret, dans le décret d'application, il est prévu l'existence d'un motif légitime ou une urgence manifeste. Attention, il va falloir redéfinir cela. C'est ce qu'avait indiqué le Conseil constitutionnel. Et le Conseil d'État a repris les observations du Conseil constitutionnel en estimant que cet article n'était pas susceptible d'être maintenu dans le code de procédure civile. Donc, il va falloir que le gouvernement réécrive cet article et les conditions qui permettent de se dispenser de ce préalable. Donc, et le Conseil d'État précise également dans sa décision que tout ce qui a été jugé entre-temps reste acquis. Et si pendant la durée d'application de cet article L750-1, des décisions ont été rendues sur des demandes qui ont été considérées irrecevables, celles-ci sont devenues définitives en l'espèce. Donc, un article abrogé, mais qui fera vraisemblablement son retour lorsqu'il aura été mieux rédigé, ainsi que ses conditions d'application. J'évoquerai enfin, pour finir, le projet de réforme des contrats spéciaux. Alors, c'est un projet dont la discussion publique s'est achevée de mémoire le 18 novembre pour présenter des observations sur le projet de réforme. Qu'en est-il de sa mise en place et de son entrée en vigueur? Sur ce point-là, on n'a aucune vision. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si ce projet de réforme va être mis en place et dans quel délai. En tout cas, ce projet de réforme est assez intéressant dans la mesure où il a pour objet de moderniser notamment certains points du droit de la construction. Je vous ai mis les articles. Alors, ce sont les nouveaux numéros des articles. Il ne faut pas se référer aux articles existants du Code civil, mais ce seraient les nouveaux articles qui seraient éventuellement insérés au sein du Code civil. Il y a 331 articles qui ont été modifiés par cette commission. Alors, je vous rassure, je ne vais pas évoquer les 331 articles, mais seulement quelques-uns. À savoir, donc, le premier article intéressant, c'est sur sa modernité, puisque vous constaterez que le contrat de louage d'ouvrage disparaît. La notion de louage d'ouvrage disparaît et le contrat de louage d'ouvrage permettait de caractériser les contrats soumis aux garanties décennales, etc., puisque c'était les contrats passés par un maître d'ouvrage en vue de l'exécution d'une opération de construction. Donc, le contrat de louage d'ouvrage a disparu et est remplacé par le contrat d'entreprise au sein de ce projet de réforme. Un des points les plus importants et qui va faire l'objet des discussions concerne la refonte des règles relatives à la réception. Donc, le nouvel article 1772 serait celui-ci. Une fois l'ouvrage achevé, l'entrepreneur est tenu de le présenter à la réception au client. La présentation de l'ouvrage achevé au client oblige celui-ci à le réceptionner. Alors là, on est dans une révolution totale, puisque lorsque l'ouvrage est achevé, le maître d'ouvrage, alors il est indiqué client, ben c'est un mot que je trouve pas forcément adapté, mais j'aurais préféré le maître d'ouvrage. Voilà, c'est un petit peu un terme, à mon avis, client, qui sera aussi soumis à discussion. Donc, moi, je vais remplacer par le maître d'ouvrage. Donc, lorsque l'ouvrage est achevé, le maître d'ouvrage est obligé de réceptionner. Alors, c'est une nouveauté sur ce point-là, mais c'est également une nouveauté sur la notion d'achèvement incluse au sein de la définition de la réception, puisque, à ce jour, les notions d'achèvement et de réception sont totalement distinctes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez réceptionner un ouvrage qui n'est pas achevé. Et là, cette nouvelle disposition empêcherait finalement la réception d'un ouvrage non achevé.
sauf à ce que, dans cette hypothèse-là, le maître d'ouvrage saisisse la juridiction pour obtenir la réception judiciaire. Et donc, ça vient un petit peu chambouler les choses. Et puis, la notion d'achèvement est toujours délicate, puisque c'est une notion qui concerne plutôt la DEFA, l'achèvement des travaux en vue de la livraison. Et on sait que la livraison et la réception, c'est deux notions totalement différentes. Donc là, est intégrée cette notion d'achèvement et d'obligation pour le maître de l'ouvrage de réceptionner. On ne connaît pas les sanctions, si ce n'est qu'il appartiendra à l'entreprise de saisir également le juge judiciaire. Mais bon, voilà, cette obligation de réception et d'achèvement vient effectivement rebattre les cartes en matière de réception. Avec toujours la possibilité d'émettre des réserves. Il est pour la première fois, et ça c'est plutôt une bonne décision, une bonne chose, il serait pour la première fois codifié l'existence de la réception tacite, puisqu'aujourd'hui, le Code civil nous dit qu'elle est soit expresse, que la réception est soit expresse, soit judiciaire. Mais la réception tacite n'est pas prévue par l'article 792-6 du Code civil et relève d'une création de la jurisprudence. Aujourd'hui, le prochain article 1774 serait rédigé de la façon suivante. La réception est l'acte juridique par lequel le client déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle est expresse ou tacite. Donc là, on est bien dans la notion d'un acte juridique, hein, qui n'est pas un fait, mais qui est un acte, ce qui nécessite la volonté de réceptionner. Donc, ce qui est un petit peu contraire avec la réception tacite. Mais bon, c'est un acte juridique. Et pour la première fois, le code nous dirait que cette réception peut être également tacite. Alors la définition de ah oui, alors je vous ai mis que il avait été prévu à un moment d'ajouter que la réception par le maître de, que par la réception le maître de l'ouvrage reconnaissait que l'ouvrage était conforme à ce qu'il avait commandé. Et cette idée-là a été écartée, et me semble-t-il, à juste titre, parce que la question de conformité, de dire que l'ouvrage est conforme, mais émettre des réserves, il y avait un petit peu une dichotomie entre les deux termes, et la commission a préféré écarter la cohabitation de ces deux termes au sein de la définition de la réception. Donc la réception tacite, elle serait définie à l'article 1776 du nouveau code civil, si un jour la réforme du droit des contrats spéciaux est intégrée, comme la réception peut être tacite si elle caractérise une volonté non équivoque du client d'accepter l'ouvrage. Donc il faut une volonté manifeste d'accepter l'ouvrage. La prise de possession d'ouvrage et le paiement du solde du prix font présumer la volonté non équivoque du client de le recevoir avec ou sans réserve. Et là, la volonté non équivoque de recevoir avec ou sans réserve, c'est la définition de la réception tacite par la jurisprudence qui est désormais acquise, puisque c'était le seul fondement relatif à la réception tacite. Donc, une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. On redéfinit également les conditions de la réception judiciaire. L'article 1777, la réception peut être prononcée judiciairement avec ou sans réserve si l'ouvrage satisfait à sa destination. Encore, on a de beaux contentieux à venir si cet article, me semble-t-il, est rédigé de cette façon-là, mais un sujet toujours délicat à aborder, la réception, quoi qu'il arrive, puisque auparavant, la réception judiciaire était prononcée lorsque l'ouvrage était en état d'être reçu. C'était une position classique de la Cour de cassation. La réception est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu. Et donc là, cette notion n'est pas reprise. On ne dit pas un ouvrage en état d'être reçu, mais on parle d'un ouvrage satisfaisant à sa destination. Et ce terme destination invoque inévitablement les notions de dommage de nature décennale lorsque l'ouvrage est rendu impropre à sa destination. Et on connaît également le nombre de décisions rendues en la matière sur la définition de ce qu'est l'impropriété à la destination. Donc, pour ça que ce terme-là satisfaire à sa destination concernant la réception va être également sujet à de nombreuses discussions.
mais bon, ça reste intéressant à évoquer comme définition. Enfin, et c'est un point là, pour le coup, très important, puisque c'était une position actuelle de la Cour de cassation critiquée par l'ensemble des intervenants, ce serait la rédaction du nouvel article 1792-7, alors qu'il n'a rien à voir avec l'article 1792-7 que j'évoquais tout au début de ce webinaire concernant les ouvrages à destination uniquement industrielle. Ce nouvel article nous indiquerait que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants. Donc, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Et enfin, donc, ce ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement, les éléments d'équipement installés sur existants. Et c'est là où cette nouvelle définition est très importante, puisque ça met fin à la jurisprudence controversée selon laquelle relève de la responsabilité décennale les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, décision rendue par la Cour de cassation le 15 juin 2017, et qui faisait par exemple qu'un installateur de chaudière ou un installateur d'insert qui ne vient pas réaliser des travaux de construction, qui ne réalise pas un ouvrage, mais qui vient adjoindre des éléments d'équipement sur un ouvrage, se voyait soumis à la responsabilité décennale des constructeurs. Donc, on avait parlé de la notion de quasi-ouvrage. Donc, voilà, c'était une extension vraiment très importante du domaine de la responsabilité pour des corps de métier qui ne relèvent pas normalement de cette responsabilité. Pour mettre fin à cette jurisprudence vraiment contestée par tout le monde, qui fait peser d'importants risques de non-assurance, ce projet de réforme nous invite donc à écarter des règles légales de responsabilité des constructeurs les éléments d'équipement installés sur existants. J'en ai terminé avec ce webinaire. Voilà, j'espère que celui-ci vous a apporté des éclaircissements. Voilà, donc je suis à votre disposition si besoin pour répondre à vos questions. Et puis, merci Cyril. Je vais reprendre juste la parole pour rappeler à nos auditeurs qui veulent poser des questions comment faire. C'est la slide juste d'après, il me semble. C'est la petite flèche orange. Puis ensuite, il y a le bloc questions. Vous tapez votre question et elle sera envoyée à Cyril, enfin à Maître Croix pour répondre. J'en profite pour vous dire qu'on a reçu une question, mais qui est un peu, qui est assez confuse. Donc, si la personne à qui j'ai renvoyé le message peut la préciser, on y répondra avec plaisir. Oui, c'est la question de dommage ouvrage, c'est ça? Alors, non, c'en est une autre, mais en effet, oui. Comme vous pouvez le voir, il y a une question sur le dommage ouvrage et un arrêté de mise en sécurité. Je vous laisse y répondre, du coup. Alors, comment gérer un arrêté de mise en sécurité pris sur un immeuble dont les travaux relèvent de la dommage ouvrage? J'avoue que je n'ai pas bien saisi le sens de la question. Gérer un arrêté de mise en sécurité pris sur un immeuble. Du coup, c'est peut-être que une précision sur cette question. Ouais. Sinon, il pourrait répondre de manière plus précise, à disposition de l'interlocuteur qu'il souhaite. Mais... Oui. Notre auditrice qui posait une question qui manquait de précision, en fait, nous a dit qu'elle a eu la réponse à sa question. Écoutez, tant mieux. Bon, parfait. Et sur la garantie de dommage ouvrage, pareil, l'auditeur qui a posé la question.
Ah oui, non, c'était cette personne-là. Et oui, non, sur la dommage ouvrage, si la personne pouvait préciser ce qu'elle entend, la gestion de l'arrêté de mise en sécurité. Voilà, moi je suis. Si ça peut être précisé, je répondrai volontiers à cette interrogation. Oui. Alors, elle nous écrit qu'elle va compléter sa demande. C'est les aléas du direct. Exactement. Voilà. Alors, en attendant, j'ai une autre question sur. Alors là, je vous la livre directement. Qu'en est-il de la notion de réception avec une SCI d'un bâtiment sur une opération de construction de deux bâtiments alors que la DACT n'a pas été déposée? Qu'en est-il de la notion de Ah, ben réception? ce sont des notions totalement distinctes, la déclaration d'achèvement de travaux, c'est ça? Ouais. Notion de réception et d'achèvement, c'est ce que je indiquais tout à l'heure, là, quand je parlais de la réforme, qui introduit effectivement au sein de la réception la notion d'achèvement. Aujourd'hui, l'achèvement et la réception sont deux choses totalement distinctes, c'est-à-dire que, comme je le rappelais également, l'achèvement n'est pas une condition nécessaire de la réception. Et Oui. la DACT relève plutôt des règles d'urbanisme et de conformité au permis de construire. Excusez-moi. Voilà, donc l'un peut être prononcé sans l'autre. Voilà, ce sont deux notions totalement distinctes. Il n'y a pas forcément de lien entre les De deux. lien avec l'une avec l'autre. Oui. Exactement. Après, qu'en sera-t-il s'il y a cette réforme-là, puisqu'on parle aussi d'achèvement, de ce sera l'achèvement au même titre que voilà, que l'achèvement de la DACT ou pas, à voir. Oui, c'est ça. Par rapport Aujourd'hui, à, je pense que la question s'entend par rapport à la réforme et pour l'instant, ben. pour l'instant, ça reste deux choses totalement distinctes qui peuvent être faites indépendamment l'une de l'autre, sans condition d'existence de l'une ou de l'autre. Et après, en matière de s'il y a de l'eau, il pourrait y avoir des réceptions partielles de l'eau. Mais ça, la question des réceptions partielles également n'est pas évoquée dans le projet de réforme. Il y aura également là-dessus des décisions de jurisprudence à venir, comme elles existent aujourd'hui sur ces notions-là, réception partielle. Autre question, lorsque le promoteur est assigné par un acquéreur et qu'il assigne en référé les entreprises concernées pour les mettre en cause, cette assignation en référé interrompt-elle le délai de GPA? Oui, mais il faut après, oui. Et après, il faut que les Faut-il constructeurs. assigner également sur le fond dans l'année, au fond dans Faut toujours mieux le faire. Oui. l'année? À signer au fond tout de suite, en même temps, oui. Du fait des délais très courts en plus maintenant en matière de prescription, il est toujours préférable d'assigner au fond et d'attendre l'issue de la procédure d'expertise plutôt que de se faire. Pensé par des délais très courts actuels. Donc, assignant au fond et en référé en même temps. Bon bah écoutez, il me reste, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il me reste à vous remercier chaleureusement, vous Cyril, pour cette animation dynamique et la préparation de ce webinaire très intéressant, à remercier l'ensemble des participants. Du coup, c'était le dernier webinaire d'actualité de l'année 2022. On vous donne rendez-vous en 2023 pour la suite des webinaires d'actualité d'opérations immobilières. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.